l'explicatif, donc notre fascicule plutôt. Donc il s'agit de l'intervention du serrurier dans sa Simca 1501 Special Break. Donc voilà, très sympa, hein, petit diorama bien entendu à l'échelle 1/43. Les voitures sont en métal et faites par XO Model. Donc voilà. On peut retrouver donc des explications sur notre diorama. On peut retrouver également, voilà, encore plus d'informations sur notre diorama. Des informations sur la Simca 1501 Special Break. Ensuite, on peut retrouver encore des petites explications et sur le modèle et sur le serrurier. Ensuite, encore des trucs sur le serrurier. Donc, c'est des manuels qui sont très intéressants à lire, hein. On découvre toujours plein de choses. Ensuite, Charles Petit, le baron de l'automobile. Voilà. Et pour terminer, la Fiat 2300 familiale, qui est dans l'univers utilitaire. Voilà. Donc ça fait encore une fois voilà, un petit fascicule très sympathique à lire pour en apprendre beaucoup. Voici notre diorama du jour, enfin du jour, notre premier diorama, pardon. Hop, je vais baisser la caméra afin qu'on le voit mieux. Voilà. Donc sur ce diorama, on va venir fixer ce petit bonhomme, donc notre petit serrurier. Voilà. Donc on va venir le placer tout simplement ici. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez bien les pieds. Je vais faire la mise au point, on verra mieux. Voilà, les pieds. C'est des petits embouts en plastique, c'est pas très solide. Donc faut faire attention de pas casser les pieds. C'est toujours l'ennui avec ce genre de diorama. Donc voilà. Faudrait pas que je l'abîme, ce serait franchement dommage. Donc voilà. Je vous remets ça une fois qu'il est fixé, j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Donc le voici, il est à peu près fixé. C'est donc malheureusement l'un des reproches que je fais à Altaïa, que j'aimerais faire à Altaïa, c'est que les pieds ne sont pas assez solides et sont parfois un peu mal taillés, ce qui fait que les pieds rentrent pas forcément bien dans les trous et ça se casse très facilement. On passe tout de suite, bien entendu, au modèle miniature, donc la Simca 1501 Special Break. Donc, voici notre modèle très bien détaillé. Donc, on peut retrouver la plaque d'immatriculation, un beau petit pot d'échappement, des petits phares, beaucoup de petits détails. Très beau chrome partout. C'est un modèle plutôt sympa. Donc, je vais vous donner des petites informations sur la Simca 1501 Break. Donc la Simca 1501 Break est le petit frère de la berline sortie en 1967. Le Break 1501S reprend ses caractères techniques avec un moteur développant 8 chevaux fiscaux.
Proche des voitures américaines de l'époque, la 1501S a connu un grand succès auprès de sa famille dans sa version berline et auprès des artisans comme le serrurier dans sa version break. Simca a su soigner les finitions, notamment au niveau du tableau de bord avec son contour, son horloge électrique ou encore son essuie-glace à deux vitesses. Donc voici notre petit diorama qui est très sympa. Je viens de remarquer que le petit serrurier était encore tombé. Je sais pas comment je vais faire pour faire tenir debout sans rien casser, c'est un peu dommage. On se retrouve tout de suite avec le tout mis en place. Et voici donc notre diorama qui est plutôt sympa finalement. Donc on a le serrurier, le petit bonhomme et notre Simca qui sont tous très sympathiques. Donc on va passer au diorama.